Moi, je suis Ferron. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon état de santé. Mon fils a un bon rêveur, mais n'est pas dans le même monde que nous. Il a déjà, quand il était petit, il ne s'intéressait pas, il n'allait pas avec les autres enfants. Il était dans son coin. Il n'y a qu'une seule personne qui réussit à avoir une prise sur lui, c'est son frère Max. Et pourtant, ils sont à l'opposé. C'est deux personnes totalement différentes. Je pense que Max, il a un pied dans son monde à lui. Et George, il a les deux pieds dans son monde à lui. Parce qu'il a un monde spécial, c'est son monde à lui. Personne ne peut y prendre. Et même moi qui suis sa mère, j'ai du mal à le comprendre. Il n'y a que Max qui peut le comprendre. Bah Georges, il n'y a pas photo, hein, il est un peu limité, ça se voit. Et enfin, franchement, c'est invivable. Et puis, Georges, enfin, c'est chiant et sa maladie, ça n'arrange rien. Il s'endort n'importe où, n'importe quand. Enfin, on n'arrive pas à prévoir, quoi. Georges, c'est bon, quoi, c'est un peu chiant. Va jouer là. Ouais, voilà, il est encore parti dans un délire. Georges, il est. Georges! Oh! Hey! Ouh! Hey, Georges! Bah, ça arrive, je voulais dire, n'importe où, n'importe quand. Enfin, c'est pas vivable, enfin, c'est plus vivable. Mon plus grand souhait, ce serait un jour de pouvoir comprendre mon fils. J'aimerais tellement le comprendre.